minuit avec Jonathan Macardy, avec François Malardeau, avec vous au 32-16 sur RMC, sur BFM Sport également. Ça s'est embrouillé pendant la pause. Ça va être comme ça pendant toutes les émissions avec toi. T'as mangé des pastilles au Red Bull ou quoi? Écoute, c'est ça. Ouais, je suis vénère. J'ai mis du café dans le pastel de nata, c'est vrai. On a débriefé, déroulé tous les matchs de ce soir de Ligue 1. On va revenir sur la première journée de Première Ligue également. Il y a un match qu'on n'a pas évoqué, c'est celui que vous avez le plus kiffé, je le sais, messieurs. Oh, il y a eu un drôle de but. Face à Amiens. Il y a eu quoi, un drôle de but, tu dis? Ouais, le but de Mangani. Et le premier, c'était un but de Crivelli également. Oh là là, Crivelli, le mal qu'il fait. C'est-à-dire? Bah, bien ou pas bien? N'importe quoi, jusqu'à ce qu'il batte son but. Attends, pendant un moment, je me suis dit, McCarthy va dire un truc sympa. Moi aussi, il attend un peu plus. Branche-le sur Bielsa. Branche-le, tu verras. Il est sympa. Non, je suis juste réaliste quand je parle de Bielsa. Peut-être la place pour les tatouages avec Bielsa encore, non? Tu veux pas? Je suis juste réaliste quand je parle d'un monsieur comme Bielsa. Juste réaliste quand tu parles de Crivelli. Non, écoute, Crivelli, sur son match, il est quand même remarquable parce que jusqu'à son but, il a envoyé quand même deux belles reprises de volée en plein ciel. Il a voulu dégommer encore les fenêtres là, du stade de la licorne. Le trouver limite hors de son match, à s'embrouiller un peu avec tout le monde. Et puis, c'est lui qui débloque, c'est lui qui marque. Chapeau. Mais bon. Amiens, on m'a dit, t'as été très dur avec eux la semaine dernière parce que c'était quand même le Paris Saint-Germain en face. Mais c'est aujourd'hui encore, je vois pas en fait quelle est leur intention de jeu. Je vois pas ce qu'ils cherchent à faire quand ils rentrent sur le terrain ensemble. Ils cherchent à pas perdre. Non, mais bien sûr que c'est dur parce que là, ils font vraiment, national, pour la Ligue 1 coup, en deux ans, tu non, vois. Mais ça, y a pas de problème là-dessus. Nous, on regarde les matchs, on les analyse tels quels, on prend pas. Enfin, voilà. Il y a ce qu'ils ont fait l'année dernière, ce qu'ils ont fait il y a deux ans. Maintenant, ils sont un peu à poil, quoi. Bon, Gaël Kakuta, il l'avait, ou alors il lui reste encore un petit peu de ballon, mais c'est trop faible, là, lui. Et puis, l'équipe, moi, je l'ai vu jouer au Parc la semaine dernière. Franchement, ils n'ont pas été dégueux face au PSG. Tu sentais qu'ils avaient envie, quand même, les Amiennois. Il y avait une motivation, il y avait un truc. Tu joues ils ont réussi Paris. Plus ou moins à défendre parce que Paris était vraiment pas inspiré. Mais après, quand ils ressortent le ballon et qu'ils essaient d'en faire quelque chose, c'est super stéréotypé parce qu'ils n'ont pas la qualité chez les joueurs pour faire mieux que ça. En ce moment, après, il y a un mercato qui se termine le 31 août. Tu vas voir qu'Amiens se maintiendra. Ah ouais? Vas-y, qu'est-ce qu'on parie? Non, la barbe, non, je sais, ce serait trop dur. Non, je bouge pas, c'est mort, Cyprien. Non, la barbe, c'est fait. Tiens, vas-y. Bon, je vais réfléchir. Hashtag voilà, tenez, et proposer hashtag Amiens se maintiendra. Quelque chose entre Nico et moi. Voilà. Christophe Pélissier, si tu me regardes, toi, entraîneur d'Amiens, c'est pas le moment de me foutre dedans. Je te le dis. Moi, je fais une émission en perruque et toi, tu te peroxydes les cheveux. Ou la barbe, tiens. Allez, vas-y, je parie pris. Ok, ça marche. J'espère que je me ferai licencier d'ici là. Jonathan, ton avis, toi, sur ce match plus globalement? Alors, Angers, cela dit, on parle d'Amiens, c'est bon, c'est un peu facile de tirer sur Amiens. Angers qui avait donc fait match nul lors de la première journée, c'est pas mal aussi. Écoute, j'ai trouvé Angers assez sérieux sur son match. Ça a manqué de réalisme jusqu'au premier but devant. Ils ont quand même pas mal vendangé, mais tu sens que devant, il y a pas mal d'automatisme. Je pense toujours que Mangani, c'est un des joueurs les plus sous-cotés du championnat. C'est un joueur qui est absolument délicieux, qui a vraiment un sens du jeu et qui a beaucoup de ballons, mais qui n'a pas la médiatisation qu'il mérite. Je trouve que c'est une équipe qui se met en place, qui est toujours dans sa logique de progression. On les a connus lors de la première année en Ligue 1 avec un jeu très stéréotypé, mais qui a fait ses preuves, mais qui était quand même somme toute pas très agréable à regarder. Là, ça continue, il y a quand même des bons attaquants. Je trouve que ça a un peu plus d'intention, ça a un peu plus de verticalité, ça cherche un peu plus à attaquer, un peu plus à jouer. Écoute, je suis surpris en bien, mais bon, ça m'étonne pas parce que c'est dans la continuité de ce que font Piqueux et leur entraîneur. On vous rappelle en tout cas les résultats de cette deuxième journée de Ligue 1. Hier, Nice s'était incliné 2-1 à domicile face à 3 victoires de l'OL, 2-1 à Rennes. Succès également de l'Olympique de Marseille, ça c'était tout à l'heure face au FC Nantes, 1-0. Et ensuite les matchs qui se sont joués en même temps, Saint-Etienne s'est imposé 1-0 à Caen. Succès d'Angers 2-0 à Amiens. Victoire de Bordeaux sur le même score face à Metz. Et Toulouse qui s'est imposé 1-0 face à Montpellier. Et puis demain, Strasbourg-Lille bien entendu à suivre. Dijon-Monaco et puis un petit également Guingamp-Paris-Saint-Germain. Oh, ça va, on rigole, de la première de Neymar, c'est demain à partir de 20h. On sera ici bien entendu. Il y a quand même, on a un after assez réduit, mais il y a quand même un point qui aurait été à soulever sur le match de l'OM quand même. Et ça me fait mal au cœur de le dire, mais je vais le dire sur Marseille, parce que c'est quand même un de mes chouchous. Je pense que Maxime Lopez, il faut penser à la gestion qu'on en fait. Je pense que Rudy Garcia devrait un petit peu se questionner sur la manière dont il l'utilise systématiquement. C'est un joueur qui a un potentiel énorme. Quoi, tu voudrais préserver toi, c'est ça? Bah, tu vas finir par le griller parce que là, dans la droite continuité, dans la droite lignée de ses prestations en fin de saison dernière, je le trouve malheureusement pas bon.
pas bon et je pense que ça le dessert de le mettre systématiquement. On passe à la première ligue que vous pouvez suivre, vous le savez, en exclusivité sur SFR. C'est ton business, ça. Bah écoute, c'est, voilà, c'est notre business, ok. Ici, on a une équipe. T'es pas tout seul, hein, maintenant, t'es avec les sémillantes Leslie Boitrel. Attends, entre autres, le duo Julien Moment. Hein. Julien Moment, et puis bien sûr, toute la Dream Team également qui est présente, Salim Mangali, bref. Le grand frère de Cosiello et les deux Portugais. C'est pas faux, exactement, puisque Leslie a également des origines. On vous rappelle, ouais, bien. Bah, tu sais, c'est la même boîte que toi, au final. La première journée de Première Ligue a débuté hier, match spectaculaire entre Arsenal et Leicester, succès 4-3 des Gunners. Watford qui a fait match nul 3 il est comme ça tout le temps. Face à Liverpool, rassure-toi. Et puis je prends rien en plus. Hein. Southampton qui a fait match nul 0-0 face à Swansea. West Brom s'est imposé 1-0 face à Bournemouth. Victoire d'Everton, but de Rooney. C'était son grand retour à Goodison Park, hein, du côté d'Everton. Après 13 ans. Jours, ouais, face à Stoke. Après 13 années. Et puis victoire de Huddersfield 3-0 face à Palace. Doublé de Mounier, vous savez, l'ancien de Montpellier. De Montpellier, oui. Burnley, ça on va y revenir, qui s'est imposé 3-2 à Chelsea. C'est une surprise. Et Brighton s'est incliné, le promu, face à City. On va débuter, tiens, par Watford-Liverpool. Match spectaculaire 3-3 qui a eu lieu cet après-midi. Alors, Liverpool, ça c'est une fâcheuse tendance. On revoit les buts. Alors, le premier but d'ailleurs d'Okaka. Doucouré qui avait marqué également pour Watford. Ce but de Mané est magnifique. Miguel Betos, Mané, il est au début à la fin. Le 1-2 et puis après la précision et quelle défense liverpoolienne. Voilà, le but incroyable. Le but de Doucouré, l'ancien Rennais. Firmino qui va permettre à Liverpool d'égaliser, ça c'est en seconde période sur penalty. Faute de Gomez sur Salah et on va retrouver Firmino qui va essayer de lober Gomez et c'est Salah qui va suivre derrière. Premier but de Salah pour son premier match officiel avec les Reds, l'international égyptien. Et alors au moment où on s'y attendait plus, on est à 5 minutes dans le temps additionnel. Mais c'est Brindos, le bien nommé, qui va égaliser pour Watford. 3 partout entre les deux équipes. Il y a un problème sur le but. Hein. Alors, il y a un problème, surtout hors-jeu. Hein. Voilà, il y a un léger hors-jeu. Voilà. Je te dis, ouais. Mais il ne faut pas le dire, Marco Silva est portugais, c'est l'entraîneur de Watford. D'accord. 3 partout entre ces deux équipes. Alors, Liverpool qui a quand même la fâcheuse tendance de perdre des points face au petit club. Ils n'ont pas de défense. Ouais. Ils n'ont simplement pas de défense. Alors, oui, ça, c'est ce que tu dis, c'est vrai. C'est par rapport à l'année dernière, je pense que c'est ça qui leur coûte une plus haute place au classement. C'est qu'ils ont toujours assuré contre les gros, mais contre les petits, ça ne passe pas. Mais là, je pense qu'ils vont encaisser sûrement un beau chèque pour Coutinho. Il y a assez de ressources offensives, il faut acheter derrière. Là, c'est trop léger derrière. Pas convaincu. On regarde pas comme ça, quoi. Ah non. Trop léger derrière. Pourtant, il n'y a ni Rolando ni Rami. Je suis l'ami Rolando. J'ai compris pourquoi. T'aimes bien ton compatriote, en fait. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Rolando. J'aime bien Rami aussi. Et il est compatriote, je suis français, monsieur. Pourquoi il est brésilien, Rolando? Ah non, il est d'origine capverdienne. Il est portugais, l'international. Le colosse de. C'est pas le même, hein. C'est Ronaldo. C'est quoi son, nom déjà? Rolando. C'est quoi son surnom, Rolando? Le colosse de. De Cap Verde, de Rodèche. Le colosse de Rodèche. Autre match également pour cette première journée de Première Ligue, c'est Chelsea. Alors, ça, c'est grosse surprise. Hein. Le tenant du titre. Ouais, ils sont à 11 contre 11, ils sont toujours à 0-0. Exactement. Qui a chuté à domicile face à Burnley. Ils ont été menés 3-0 à la pause. Alors, ça a très mal débuté. Dès la 13e minute, le capitaine Gary Cahill prend un rouge direct pour une semelle sur deux fours. Sévère. Ouais, sévère. C'est rouge même. Bravo. Ouais, Vaux qui a marqué le premier but à la 24e minute de jeu. Ouais, le gallois. La frappe, elle est super. Stephen Ward. Stephen Ward qui va claquer le deuxième but pour Burnley. Là, on est à la 39e. Et juste avant la pause, Vaux il va carrément se payer un doublé. Et Burnley qui va mener 3-0 à la pause, donc face à cette équipe de Chelsea, tenant du titre, rappelons-le, qui avait perdu le Community Shield il y a quelques jours face à Arsenal au tir au but. Et en seconde période, eh bien, Morata. Qui va marquer son premier but, qui avait débuté sur le banc, Alvaro Morata, la recrue la plus chère de l'histoire des Blues. David Luiz va permettre à Chelsea de se relancer. Et là, on se dit, ils peuvent le faire, même réduit à 10. Mais non, parce qu'il y aura un dernier carton rouge également pour Fabregas. Et Chelsea qui s'incline, 3 buts à 2, c'est surprenant quand même. Beaucoup d'absents. Il commence quand même sans hasard. Il n'y avait pas hasard, oui. C'est Batshuayi qui est titulaire avec Jérémy Boga. Alors qui est sorti d'ailleurs après l'exclusion de Kyle. Il a fait un petit quart d'heure. Je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça a fait rire François, mais. Le body language et la tenue de Conte en dit beaucoup sur les relations entre l'entraîneur et sa direction. Ça te fait marrer. Il y a un vrai problème. Moi, j'ai connu au niveau du mercato. Cordolan l'a appelé avant de faire cette chronique. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème au niveau du mercato et de leur recrutement. Je pense que Conte est très mécontent. Il a été augmenté, mais il n'a pas été prolongé. Je pense que ça l'emmerde aussi. Et je sais pas. Je pense que les relations sont un peu tendues entre. C'est surtout qu'il veut des joueurs. Il veut des joueurs. Il les a pas eu. Il voulait Lukaku. Il a eu Morata, mais il était quand même un peu chapeau de pas avoir eu Lukaku. Et je pense que son effectif. Il va falloir jouer tous les trois jours. Il est quand même très léger. À me décrypter ça avec le dress code des coachs, les gars, là. Tu l'as déjà vu en survêt, Conte? Vous êtes très, très fort. Tu l'as déjà vu en survêt, Conte? Non, mais j'ai vu des mecs en survêt et puis des fois, Conte, ça se passe pas bien. Hein. Tu l'as déjà vu en survêt?
Et quel rapport avec le fait que le ça problème, se passe bien aujourd'hui? Le problème, c'est que t'as pas le choix, François, c'est ça ton gros problème. Sachez qu'il y a quand même un favori voilà. qui était au rendez-vous. C'est Manchester City qui se déplaçait au Amex, le stade de Brighton and Hove Albion. Voilà, grande première en première ligue. C'est le mal-aimé. C'est pas la chanson du mal-aimé. Je suis le mal-aimé. Pourquoi, qui est le mal-aimé? Bah, c'est Kun Agüero. Ah, et le Kun, qui est encore mal. Alors qu'il a marqué contre toutes les équipes de première ligue face à qui il a joué. Il a marqué le premier but à la 70e. Ils ont attendu quand même avant de se rassurer. C'est décanté sur le dernier quart d'heure. Voilà. Et il y a eu un CSC ensuite de Dunk. Avec deux grosses actions d'Agüero. Et qui a encore marqué donc El Kun Agüero. Et succès de City. Alors eux, ils sont là par contre, hein, les Citizens. Hein. Avec leur défense. Grand favori des bookmakers en Angleterre. Vous comprenez ou pas? Ils ont lâché quand même beaucoup d'oseille. Hein, entre Walker, Mendy. Alors, Mendy n'a pas joué. Bakayoko n'a pas joué. Bernardo Silva était sur le banc. Bakayoko n'a pas joué. City. T'as parlé de Manchester City? Oui. Ouais. Bakayoko. Ouais. Il a Chelsea. Chelsea, Bakayoko. Ah, oh, Chelsea. Je parle de Mendy. Merci. Silva. Bernardo Silva. Silva n'a pas c'est joué. Ça, voilà. Mais il était le sur Monégasque. Le banc. Mendy blessé. Mais ils ont lâché beaucoup d'oseille, oui, pour avoir un recrutement qui leur permettra de faire une meilleure saison que celle passée. C'était sérieux. C'était quand même sérieux le match qu'ils ont fait. C'était un peu chiant. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quand même première pas mal de phases. On joue à la baballe. C'est le truc un peu agaçant. Voilà, Guardiola. Ça joue à la baballe. Ça manque de percussion dans les 20 derniers mètres. Mais bon, ils font le travail. Ils ont un effectif qui est quand même assez dense, donc à voir. Les gars, vous allez vous reposer ce soir parce que demain, à partir de 20h, on sera ici sur RMC. Oh. Demain, le Paris Saint-Germain se déplace à Guingamp. Et Neymar, il est là. Neymar de Brazio. Neymar. Qui ça? Moi, je sais pas. Neymar. Mais si, tu connais très bien. C'est certainement la première. Et il y aura le match de Jésus-Christ Bielsa dans l'après-midi. Ah, nous y voilà avec Rolando et Rami, bien entendu, qui ne sont plus avec lui, bien sûr. Et que aujourd'hui, notre ami Jonathan Macardy est bien à. Il joue à Strasbourg. Non. Il joue à Strasbourg. Merci à toutes les équipes techniques qui nous ont aidés à préparer cette émission. Julie Dérault, Alexandre K et puis Cyprien Bétou également. Il faut les remercier, c'est vrai. Sans qui cette émission ne pourrait exister. On se retrouve demain, 20h. Merci les gars. Pas un mot sur Dijon-Monaco. Et Monaco, c'est demain. Aussi. À demain. Ciao. Ciao.